Bonjour, je suis Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film La Daronne. Je suis bienvenue au 28e Festival du film français et ce soir à la première de ce film au Royaume-Uni. Voilà, je suis très heureux que vous découvriez mon dernier film, qui est interprété par Isabelle Huppert, avec qui c'est la première fois que je tourne. J'ai de très bons souvenirs d'autres visites que j'ai faites à ce festival pour des films précédents. Et je suis heureux que le festival apporte ce film-là sur votre territoire aujourd'hui. Évidemment, j'aurais préféré être avec vous ce soir, mais on connaît les raisons de cette absence, qui sont indépendantes de ma volonté. Et j'espère que vous avez passé un vrai bon moment. Mon film devait sortir initialement le 25 mars en France. La sortie a été annulée et décalée à cause du premier confinement. Et il est sorti début décembre. Début septembre, pardon. Il est sorti le 9 septembre à Paris et dans toute la France. Et ça a été un beau succès. Voilà. Donc, ça nous a fait beaucoup de plaisir à Isabelle et à moi. Ça a été un succès de la critique et ça a été aussi un succès public. Le film était encore en salle jeudi dernier quand toutes les salles ont fermé en France. Mais le film est sorti aussi en Allemagne et en Autriche, où depuis un mois, il était aussi en salle jusqu'à dimanche soir en Allemagne et en Autriche, jusqu'au moment où les cinémas ont fermé. Et c'était aussi un très beau succès. En France, le film a fait, je crois, plus de 420, 430 000 entrées. Et en Allemagne et en Autriche, plus de 120, 130, 140 000, je crois, à peu près. Voilà, le film va sortir dans d'autres territoires bientôt, quand les salles rouvriront, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Russie. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Bonne projection.